Je voudrais qu'on donne la parole à Nassera Ben Marnia qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame, vous êtes présidente d'honneur de l'association L'Union des familles musulmanes. Que pensez-vous de cette interpellation ? Ben écoutez, moi je dirais tout simplement que c'est un contrôle d'identité qui a fortement dégénéré et il faut le laisser dans cet état des faits, de fait, et absolument pas faire un amalgame avec les musulmans, ce qui me dérange largement parce qu'on est encore parti sur une polémique sur l'attitude des musulmans face aux forces de l'ordre, etc. C'est un contrôle d'identité qui a dégénéré. Comme ça arrive pour d'autres problèmes d'ailleurs. Voilà, exactement, comme ça arrive souvent, il n'y a pas de quoi en faire. Donc en fait, vous ne voulez pas qu'on mêle cette affaire avec l'histoire du voile, etc. C'est-à-dire que ça pourrait très bien arriver si on contrôlait quelqu'un pour, je ne sais pas, une affaire de stupéfiants et qui refuserait... Affaire de stupéfiants, parfois des contrôles de chauffeurs qui sont de mauvaise humeur et qui tuent des conducteurs. Voilà, c'est l'attitude d'une personne face aux forces de l'ordre qui a dégénéré, qui a entraîné... des échauffourées, mais ça n'a rien à voir avec les musulmans. Il faudrait que ça s'arrête pendant cette période de Ramadan. Bonjour. On sera géré sur une polémique. Ah donc pendant cette période de Ramadan, il ne faudrait pas qu'on polémique là-dessus. Exactement. Écoutez, ça s'était calmé sur les musulmans ces dernières semaines. Je ne voudrais pas qu'on reparte encore sur une histoire. Mais Marianne, elle n'est pas calmée là. Bonjour. Le respect des musulmans face à cette république, etc. Tout ce qu'on commence à entendre depuis quelques heures. Bonjour. Juste un mot, Marianne Soubré. Je voulais bien comprendre votre position parce que effectivement, c'est un contrôle qui tourne mal. Mais pourquoi est-ce qu'elle a été contrôlée ? Est-ce que c'est pas parce que elle refusait de se soumettre à la loi ? C'est pas ça le problème ? C'est une personne... Qui était en infraction avec la loi, on est d'accord ? C'est une personne est-ce que qui nous est sommes en infraction d'accord avec la loi et on ne met pas l'ensemble de la communauté d'accord musulmane et on n'essaye pas d'en faire une polémique qui entraîne tous les musulmans d'accord face à une attitude alors, irrespectueuse. Personne n'a dit ça, hein. Excusez-moi. Donc vous condamnez son attitude à elle parce qu'elle était en infraction avec la loi, je vous ai bien comprise ? Oui, bien sûr. D'accord. Elle doit répondre à un contrôle. Non, mais elle ne doit pas se promener avec un niqab, c'est ça. C'est elle en tant que citoyenne qui doit respecter la loi, et elle en tant que citoyenne ne représente pas l'ensemble des musulmans. Alors, nous sommes absolument d'accord. Là, je suis vraiment d'accord avec vous à 100%. Moi, je stigmatise personne. Simplement, j'aimerais bien comprendre, donc votre position, elle est claire. Vous pensez que la loi interdisant de porter le niqab, elle ne devait pas le porter, si je vous suis. Hein. Par contre, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous avez l'air de considérer qu'en période de Ramadan, on ne pourrait pas poursuivre en fait. Enfin, j'ai pas très bien compris sur le Ramadan. Non, je dis que depuis quelques heures, on assiste encore à un truc sur l'attitude des musulmans face aux forces de l'ordre, etc. Il y en a assez. À chaque fois qu'un individu se comporte mal, chaque musulman, chaque fois qu'il y a une personne qui est identifiée comme musulmane, entraîne l'ensemble de la communauté musulmane. Non, moi je suis pas sûre de généraliser. Vraiment pas. Ça et puis, fait des mois que l'on assiste à ce genre de dérapage. Non. Mais vous savez, les musulmans, ils s'identifient pas à elle. Hein. Non, mais en fait, rassurez-vous. Depuis ce matin, on entend parler... Mais aucun musulman ne s'identifie à cette personne. Enfin, c'est là où vous vous trompez. Exactement, mais je ne dis pas que... Justement, ce que je dis, et je vous demande à vous de ne pas en faire encore une polémique sur l'attitude des musulmans face à la République, face aux forces de l'ordre, et encore repartir sur ce mais débat. Mais madame Ben Marnia, le débat sur le niqab, il a été clos, il y a une loi qui a été votée. Il faut la respecter, voilà. Mais madame... On s'arrête là. Et quand il y a une personne qui ne respecte pas la loi, c'est une personne mais qui madame, ne respecte mais pas la loi. Vous êtes en train de nous dire qu'on en fait trop. Et d'ailleurs, cette info a été lancée par un syndicat de police, c'est Alliance qui a... Oui, Alliance, on sait d'où ils viennent. Et voilà, moi je mais ne voudrais pas revenir à l'ambiance d'il y a quelques mois. Mais madame Ben Marnia, moi je suis désolé. Je suis pas d'accord avec... parce que je pense que la généralisation, c'est vous qui la faites. Moi, si demain, on arrête dans la rue un catholique qui se balade avec un signe extérieur de bon, un truc interdit, mais moi je me sentirais pas concerné parce que je suis ton exemple catholique. C'est pas pipeau, c'est dire que les musulmans n'ont pas à se sentir concernés par quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Comparable, je ne dis pas n'importe quoi. Comparer ce qui est comparable. Déjà quand il arrive quelque chose dans une autre communauté, on n'y englobe pas l'ensemble d'une communauté, on n'en fait pas une polémique. Excusez-moi, Claire Petit, moi je à part. Attends, ce que je voulais surtout soulever, pour le moment, si on parle de cette histoire,
et cette affaire qui au départ est une affaire de courante, ce n'est pas du tout contre les musulmans. C'est contre, mais vraiment contre la justice française, c'est elle-même qui se met en position illégale en disant nous n'allons pas attaquer parce que c'est en période de Ramadan. Non, elle a démenti. Mais vous, les musulmans, ça a été démenti. Les personnes musulmanes, ils sont absolument pour rien. Même cette femme-là n'a pas demandé. Il n'y a rien qui prouve que ces propos ont été tenus, madame. Mmh. Et c'est justement depuis ce matin, on assiste à un truc où tout le monde essaye d'en faire une polémique parce que justement il y a le Ramadan et qu'on peut encore non une fois. En fait, c'est un petit peu instrumentalisé, en fait. Mais c'est pas parce qu'il y a le Ramadan. Non, mais Claire, ce que dit Nassera, c'est qu'elle y voit un peu une instrumentalisation. C'est lancé par un syndicat de police. Le parquet dément avoir dit que, comme c'était le Ramadan, on n'en parlait pas, que l'enquête se poursuivait. Donc, attention, peut-être, il y a peut-être une manip là-dessus. Voilà ce que dit Nassera. Faire le travail de l'enquête et puis après la personne sera pénalisée parce qu'elle n'a pas respecté la loi, point barre. Ouais. Et tout. Voilà, et qu'on passe à autre chose. Attendez, vous avez quand même 3 policiers blessés, excusez-moi. Parce qu'il n'y a pas que ça. Non, pas légèrement blessés, ils sont à l'arrêt de travail. Et alors, derrière ton micro, c'est pas grave. Mais si d'un seul coup, je viens de te mordre parce que ça ne me plaît pas ce que tu me dis, mais enfin, c'est pas grave. Moi, j'aimerais que tu me mordes, Claire. Moi, j'attends que Claire me morde. Et quand on. Toutes ces personnes également qui sont arrivées là pour la défendre, ça suffit. Les gens qui sont blessés dans le cadre de leur fonction, il y en a tous les jours. Je dis que c'est grave. Oui. Je dis que les personnes qui blessent les personnes dans le cadre de leur fonction doivent être condamnées. Non, mais ce qui est plus embêtant, ce qui est plus embêtant dans cette histoire, c'est que s'il y a eu bagarre, c'est qu'elle n'était pas seule et que certains sont venus prêter main forte à cette personne contrôlée. Et là, c'est plus un cas particulier. C'est pas un cas unique. C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup un groupe de personnes qui empêche la police de faire son boulot. Alors, il ne faut pas en faire une généralité et penser que toutes les femmes. Mais néanmoins, mais c'est de trouver à l'ordre public dans des quartiers difficiles sur lesquels il y a une concentration de communautés. C'est un problème qui est beaucoup plus large que ce que vous essayez d'en faire là à cette heure précise. Eh ben oui, voilà. Mais il y en a assez aussi que tous ces gens qui se disent souffrir sont là t'attendent de défendre une personne qui n'est pas défendable et que vous en avez 50 qui se mettent sur des policiers. Eh ben ça, j'en ai assez. Et justement, alors, si vous voulez pas qu'on stigmatise les banlieues, arrêtez de vous comporter comme des voyous et arrêtez de défendre ce qui n'est pas défendable. Il n'est pas normal qu'à 1h du matin, il y ait une cinquantaine de personnes qui ont tabassé des policiers. Ce n'est pas normal. Mais ils étaient 3. C'est le monde, on arrête. Eh ben que l'on soit décidé. Si tu qu'on soit dans le centre-ville, il y en a marre. Voilà. Mais exactement. Et c'est ça que vous devez condamner. Mais c'est ce qu'elle condamne. Elle condamne. Je crois que c'est assez clair, en fait. Je crois qu'elle est assez claire. Mais c'est à partir du moment où on est en train de dire, nous, notre communauté et tout, non, c'est tout simplement personne française qui s'est mal comportée avec 50 autres personnes qui se sont mal comportées. Et qu'ils soient musulmans, chrétiens, bouddhistes, tout, je m'en fous. Alors, Nassera, Claire, tu écoutes un peu, parce que Nassera a le droit de te répondre. Exactement, parce que là, sinon, ça va plus. Je disais donc, à ce moment-là, on est rappelé à la problématique de ces quartiers, où on a concentré des communautés, où on a laissé aller de malaise après malaise, d'accord, où tout le monde a fait semblant de ne pas voir ce qui se passait dans ces quartiers, et de temps en temps, quand il y a un incident, on dit, oh, c'est pas normal. Donc, mettons tout ça à plat et faisons en sorte que dans ce quartier-là, il n'y ait pas une concentration d'une communauté en particulier. D'accord. Tout à fait d'accord là-dessus. Voilà. Tout à fait. Le problème, c'est pas que 50 personnes y soient intervenues. C'est que dans ce quartier, il n'y a qu'une communauté présente pratiquement. D'accord. Voilà. D'accord, Nassera. On met à plat les choses et on parle honnêtement sans avoir envie de stigmatiser et faire de la récupération politique. Merci. Voilà. On a compris, Nassera Ben Marnia. Merci d'avoir répondu et dialogué avec les grandes gueules. C'est chaud comme d'habitude. Ce sont les GG.